Nouveau Belmondo refait des siennes avec un film qui porte littéralement, car oui, aujourd'hui nous parlons du retour du héros en 180 secondes. Réalisé par Laurent Tirard et sorti le 14 février 2018, pour réconforter sa sœur, Elisabeth invente une vie d'opérette à son fiancé parti à la guerre. Mais quand celui-ci revient après avoir déserté, il va s'approprier son personnage de fiction pour exister. Alors ma foi, c'est pas ouf. Ça aurait pu. Sincèrement, ça aurait pu. Il y a des vraies fulgurances, des vraies idées qui sont cool. Mais c'est d'un côté littéralement porté par son premier rôle masculin et d'un autre côté complètement plombé par son premier rôle féminin. Et puis le film aurait peut-être gagné à être un peu moins découpé en termes scénaristiques. On part sur un parti pris assez intéressant, qui m'a plutôt plu, très théâtral, de monter une farce à la Tchekhov, mais une farce à la française. C'est parfois un peu trop assumé dans le jeu, qui est très, très exagéré, très cabotiné, et parfois très très bien géré justement sur ces questions-là. Dujardin porte littéralement le film, cet acteur est fantastique, c'est l'un de nos meilleurs acteurs français. Je trouve qu'il est constamment juste, aussi bien dans l'humour que dans le drame, et que pour le coup, lui donne un vrai cours de comment bien cabotiner. C'est-à-dire de jouer sur un humour qui fonctionne, et ne pas cabotiner sur des choses qui ne fonctionnent pas. Le film aborde une question assez intéressante d'un point de vue cinématographique, c'est la différence de conception entre certains acteurs. La différence entre l'être et le paraître. La différence entre jouer et se montrer. Et pour le coup, là où Dujardin joue, eh ben Mélanie Laurent est là pour se montrer. J'aime pas apostropher comme ça un acteur en particulier, une actrice en particulier, mais là pour le coup ça ne fonctionne pas du tout. C'est très mal joué, j'ai même pas envie d'utiliser le mot jouer parce que ça ne joue pas. C'est faux dans tout ce que ça entreprend, jusqu'à son rire final qui moi m'a vraiment laissé babate tant je me suis dit comment est-ce qu'on a pu garder ça dans le film. Alors c'est pas tant de sa faute parce que finalement Mélanie Laurent on sait maintenant ce qu'elle a à offrir. Si elle a été mal dirigée puis si on l'a choisie c'est qu'on voulait ça et pour le coup je trouve que ça ne marche pas parce qu'elle se fait littéralement écraser par Jean Dujardin et qu'on a même d'autres acteurs secondaires qui pourraient largement prendre sa place. L'autre souci du film, c'est son scénar qui est un peu découpé en scénettes, alors ça se prête à une farce, mais c'est parfois un peu compliqué sur un film de ciné, qui raconte quelque chose de finalement assez beau sur la fiction, qui nous grandit, mais qui se perd parfois dans des longues scènes pour nous vendre une vanne, et heureusement que Dujardin est là pour la défendre, parce que sinon ça ne passerait que difficilement. Le parti pris est intéressant, la période est intéressante, hein, Tchekhov à la française c'est quand même plutôt osé, et puis il y a une relation qui est finalement assez bien pensée entre ces deux personnages principaux, mais du coup qui ne marche pas parce que le duo d'acteurs ne marche pas, et à cause d'une d'entre elles. Je ne citerai pas de nom, je l'ai déjà fait. Donc malgré, je trouve, une intention assez louable dans le propos, Le Retour d'un héros est un film assez moyen, qui est littéralement sauvé par son interprète principal. C'est couillon, parce que je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de osé à proposer, quelque chose de très théâtral au cinéma, et de laisser ces acteurs pouvoir s'exprimer dans le cabotinage, mais pour que ça fonctionne, il aurait fallu que les deux soient aussi à l'aise sur l'exercice, et hélas, là, ce n'est pas le cas. Et top. Voilà, un film qui se regarde sans déplaisir, mais qui aurait gagné à être peut-être un peu plus précis, notamment dans ses interprétations. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.